Merci à tous pour votre présence. Nous reprenons nos travaux très à l'heure avec Guillaume Métayer, qui est chargé de recherche au CNRS et qui a écrit plusieurs livres, dont le dernier porte sur Anatole France et les nationalismes littéraires. Et c'est justement d'Anatole France qu'il va nous parler aujourd'hui. Je lui cède avec plaisir la parole. Merci beaucoup, Alexandre. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à participer à ce colloque sur l'histoire des idées. Le plus intéressant chez Anatole France est peut-être sa disparition. Scruter les mobiles de son oubli, si profond et si précipité, constitue, je crois, une entrée stimulante pour approcher un changement d'époque, pour cerner, en suivant les contours de cette absence soudaine, un moment de basculement des valeurs littéraires et intellectuelles. Or, ce qui devrait frapper d'abord, mais a été, me semble-t-il, moins remarqué, c'est que France pâtit au moins de trois oublis conjugués, correspondant aux trois domaines d'activité qui avaient successivement, mais aussi conjointement, porté sa gloire. L'oubli du critique, de l'écrivain et de l'intellectuel engagé. Ce n'est pas seulement comme écrivain que France s'est effacée de nos mémoires. Ses traits distinctifs dans l'affaire Dreyfus et plus généralement dans une histoire des intellectuels plutôt occupée à la sociologie des réseaux et concentrée sur la geste de Jaurès, Zola ou Peggy ou la légende noire de leurs célèbres adversaires, se sont aussi largement estompés. Mais ce qui nous intéresse ici au premier chef est la vaporisation de France critique littéraire, un domaine où il exerça pourtant, des années durant, un très influent magistère. Or, il faut d'emblée préciser que, comme son nom ne l'indique pas, la critique littéraire, telle que France la pratique, n'est pas qu'une affaire de belles lettres. Elle concerne tous les domaines de l'activité de l'esprit, au point que France la définit précisément comme une histoire de l'esprit humain et même comme une histoire intellectuelle de l'homme. Il semble donc naturel de se demander dans quelle mesure la dislocation d'une mémoire vive de cette histoire intellectuelle de l'homme, que prétendait incarner la critique dite littéraire, n'est pas la conséquence spécifique de la lente émergence d'une discipline, l'histoire des idées, et non seulement de l'histoire littéraire, qui, dans le contexte académique, certes, mais de manière à déborder sur le monde du journalisme, se serait substituée à cette pratique critique, la rendant par contre-coup obsolète, puis opaque. De ce point de vue, l'oubli d'Anatole France apparaîtrait moins comme une question de personne, la fin du traître, vilipendé par les surréalistes, aux côtés de Loti, l'idiot, et de Barrès, le policier, que sous l'angle de la péremption d'un genre. Cette critique impressionniste, selon le mot de Brunetière, n'aurait donc pas été balayée seulement par le seul lansonisme, puis par le démon de la théorie littéraire, mais par la soustraction à son périmètre de ce dont elle avait fait sa définition même, l'histoire intellectuelle de l'homme, l'histoire de l'esprit humain, autant dire un champ partiellement couvert par l'histoire des idées qui nous occupe pendant ces journées. C'est donc à la fois comme sujet occulte et objet occulté d'une histoire des idées omniprésente et introuvable que j'essaierai d'approcher brièvement ici le cas d'Anatole France en explorant comment la forme et la situation même de cette critique indissociablement pointilliste et ambitieuse l'ont rendue muette, quoique pertinente, depuis son escamotage initial à travers toute la série d'évolutions qu'a connue tout au cours du XXe siècle, cette discipline elle-même décriée et par là même aussi en constante mutation, qu'est l'histoire des idées. Il ne faudrait pas se laisser dérouter par l'idée d'un Anatole France critique littéraire. Ce que France nomme la critique n'est pas une simple revue des œuvres littéraires au sens étroit du terme, mais l'examen de publications de genres très divers et d'actualités intellectuelles et culturelles variées. La chronique nommée La vie littéraire, que France tient plusieurs années au journal Le Temps et dont le recueil constituera les quatre principaux volumes de sa critique, l'amène à parler, par exemple, de Monsieur Thiers, historien, de la correspondance de Marie-Louise, de l'économiste Léon Say, d'ouvrages philosophiques et historiques de Renan, de Taine, d'astronomie, autour de Camille Flammarion, du bouddhisme, du spiritisme, des mathématiques, de Blaise Pascal et de son émule successeur et biographe Joseph Bertrand,
de Mithridate, de la question de l'orthographe, de la question du logement, etc. C'est, si l'on veut, un trésor, mais aussi sans doute un vrai bazar, qui dépasse largement, en tout cas, on le voit, le cadre des belles lettres. Le terme littéraire, donc critique littéraire, est en somme encore à prendre dans un sens large, équivalent, mutatis mutandis, à ce que recouvre traditionnellement la notion de res publica literaria. Simplement, plutôt que de se prolonger dans la correspondance, comme le montre bien pour les âges classiques Marc Fumaroli, l'art de la conversation se poursuit et se sublime désormais dans le journal, en une forme de critique personnelle, savante et de bonne compagnie. La préface de la première série de La vie littéraire est d'ailleurs une lettre amicale et programmatique, une sorte d'épître dédicatoire sur la critique, adressée à Adrien Hébrard, le directeur du Temps et employeur d'Anatole France. C'est là que l'écrivain, se tenant dans un grand écart entre une grande humilité personnelle et une ambition générique peut-être démesurée, donne de la critique la définition que je citais tout à l'heure, l'histoire intellectuelle de l'homme. À propos de Cuvillier-Fleury. France use d'une formule semblable dans une lettre à Charles Maurice, auteur de l'une de ses nombreuses enquêtes qui jalonnent l'époque. « Vous me demandez, monsieur, si je vois un bon ou un mauvais signe en cette maîtrise de tous les arts, y compris celui d'écrire par la critique. J'ai déjà dit quelques mots sur l'excellence de la critique au sujet d'un livre de M. Jules Lemaître. Je crois que la critique, ou plutôt l'essai littéraire, est une forme exquise de l'histoire. Je dis plus, elle est la vraie histoire, celle de l'esprit humain. » Voilà, les deux citations dans leur contexte. Ces affirmations de France en disent long sur la nature et la place de ce qu'à la suite de Thibaudet, nous avons pris l'habitude d'appeler la critique journalistique. De fait, contrairement à la caricature de cette critique par Brunetière, à laquelle, selon sa manière coutumière, France a répondu sans la réfuter, mais en l'assumant, cette critique repose sur un vrai fond de savoir, peut-être même d'érudition. France n'est pas seulement un chroniqueur mondain. Il a aussi pratiqué, chez Lemaire et chez Charavet, l'édition de textes classiques. Ces notices réunies 40 ans plus tard composeront le parcours de son livre « Le génie latin ». Il s'adonne même à des monographies ponctuelles, par exemple une brève monographie sur la querelle dite des imaginaires entre Racine et Port-Royal, dont Proust se souviendra. Cette érudition historique, France la met du reste volontiers en scène dans ses chroniques. Aussi, l'étonnante conviction que le genre critique se trouve à la fois situé dans un lieu surplombant et terminal ne traduit pas uniquement la certitude civilisationnelle d'un progrès, profondément ambivalent d'ailleurs du savoir et de l'analyse, elle suggère la valeur qui semble alors conférée à la critique des journaux dans l'ordre du savoir lui-même. France ne paraît pas imaginer à quel point l'université en construction va peu à peu évider son magistère des disciplines encore à naître qu'enveloppe son activité critique, composite et totale. Pourtant, il pressent bien une évolution, sans en saisir encore peut-être toute la portée. Ainsi, dans l'article intitulé « La critique et l'école normale » consacré aux études littéraires sur le XIXe siècle d'Émile Faguet, 1887, il note que les universitaires occupent beaucoup de place dans le journalisme littéraire et que bientôt, ils les occuperont toutes. La raison en est, selon lui, que pour écrire, il faut penser et qu'aujourd'hui, on n'apprend plus guère à penser qu'à l'école normale. Un ancien président de la République disait « On ne sait plus écrire qu'à l'école normale ». Il était assez francien. Toutefois, avec une générosité peut-être naïve, France se refuse à poser la question de la concurrence de légitimité entre les mondes académiques et journalistiques. Il s'agit bien, en vérité, s'écrit-il, de la conquête de la presse par l'école normale. C'est l'avenir intellectuel de la France qui est en question. En l'occurrence, la capacité d'apprendre à penser aux jeunes générations. Il n'en débusque pas moins le problème que commencent à insinuer les profils à la Faguet. Il note notamment avec acuité la manière dont Faguet tend précisément à enfermer la critique littéraire dans le seul domaine des belles-lettres. Monsieur Faguet a horreur de la politique. Quand un écrivain est étroitement mêlé aux affaires de son temps et que ses écrits sont inséparables de ses actes, Monsieur Faguet laisse là l'homme et l'œuvre. La visée historienne des maîtres de France, que sont Jean-Jacques Weiss et Taine, est en somme mise à mal par Faguet, obéissant à une logique subreptice de spécialisation esthétique. Qui signale un changement d'époque, le décrochage de la littérature et de l'histoire, la fin de la critique comme histoire intellectuelle de l'homme. Faguet, dit France, isole les hommes, il isole les ouvrages, il sépare, il disloque, il analyse. On retrouve
il compilait de la satire de Voltaire, le pauvre diable, hein, que France parodie, paraphrase souvent. Je lui dirais que la critique ainsi comprise perd le mouvement, l'étendue et plusieurs autres attributs de la vie. C'était bien en effet le culte dynamique de la vie que France avouait ailleurs avoir puisé chez Taine. La vie, l'expression, est significative. Elle montre que la critique, par sa pluralité d'approches, se croit la mieux armée pour conquérir ce grand horizon épistémologique de l'époque, cher à Nietzsche, évidemment. En ce sens, l'histoire de l'esprit humain dépasse certainement le cadre d'une histoire des idées qui se contenterait de reconstruire une causalité intellectuelle entre auteurs ou de suivre les métamorphoses d'une idée. Face à cette première dissociation du littéraire, Anatole France n'a pas d'autre choix que de reproduire à nouveau la profession de foi de Cuvilliers-Fleury, selon laquelle la critique embrasse tout. Il n'est rien au monde qui ne soit de son domaine. Il n'en est pas moins conduit, sous la pression de cette ébauche de spécialisation, à entrevoir les limites de sa propre conception. Dans la lettre à Hébrard, France disait déjà « Le critique est tour à tour orateur, philosophe, historien ». Sa formulation évolue. La critique comprend l'histoire, la philosophie, la morale, la politique, la jurisprudence, la poésie, à la seule condition que celui qui l'exerce soit poète, législateur, homme d'État, moraliste, philosophe et historien. France se rend compte que sa conception le conduit à imaginer une chimère surhumaine. On dira, concède-t-il, que la rencontre de tant d'hommes en un seul est rare. Son invocation de l'état avancé de la civilisation n'est pas sa seule manière d'atténuer cette démesure. C'est la mention d'un illustre exemple qui lui permet de sauver son paradigme menacé. Du moins, elle n'est pas tout à fait impossible. Rappelez-vous Sainte-Beuve et ses lundis. À petits pas, en de belles promenades, il a visité presque tous les pays de la pensée humaine. Et il ajoute, cet homme voulait tout voir et tout montrer, voilà la grande critique. Ailleurs, dans la vie littéraire, on le sait, France appelait son prédécesseur le saint Thomas d'Aquin du XIXe siècle. On comprend ici que si la critique est une histoire de l'esprit humain ou une histoire intellectuelle de l'homme, France n'a pas l'intention de lui confier la composition d'une histoire des idées au sens où nous l'entendrions, ni de suivre une idée dans le temps, ni de reconstruire la succession plus ou moins causale des idées à travers des processions d'auteurs. La métaphore appliquée à Sainte-Beuve montre bien ce qui distinguerait une telle histoire de la pratique de la critique impressionniste, dans la mesure où la promenade est l'une des images de prédilection d'Anatole France pour décrire sa propre écriture critique. Étrangement, dans cette conception de la critique, l'histoire des idées ne prendrait pas la forme d'une narration, d'un processus linéaire, mais d'une relation discontinue des stations d'une promenade. France assimile, par exemple, ses propres chroniques à ces bancs qu'en Alsace, il a vu semer devant des paysages et des panoramas. Ce n'est, on l'a compris, que par strates successives et par reconstruction rétrospective que ces démarches sinueuses de touristes critiques peuvent aspirer au titre d'histoire. Elles portent toujours en elles une forme de caprice, mais aussi d'inachèvement, qui n'est pas seulement l'effet de la récurrence du feuilleton, mais qui signale une intention profonde, la défiance envers les systèmes. Elle traduit une option idéologique marquée qui impose de manière paradoxale à cet embryon d'histoire des idées la marque du fragmentaire et du discontinu. Le seul ouvrage à prétention directement philosophique d'Anatole France, le recueil d'aphorismes du Jardin d'Épicure en 1895, composé significativement aussi d'extraits de ses chroniques, montre bien la parenté entre l'inspiration feuilletoniste et ce type d'écriture illustrée par Nietzsche. Les professions de foi antisystématiques, héritées de Voltaire, sont légion dans la critique d'Anatole France, comme plus tard, malgré son socialisme très personnel, dans ses prises de parole publiques. Par exemple, lors de son allocution au congrès annuel de la Société de l'Histoire de la Révolution, tenu en Sorbonne le 8 mars 1908, France s'adresse à Alphonse Allard et dit « Je viens de lire et de relire votre récent livre sur les sources de Taine. C'est un chef-d'œuvre de critique historique. Il n'y a pas de livre mieux fait pour nous mettre en garde contre les dangers de l'esprit de système. » Or ici, France rejoue, sans le dire, l'un de ses propres articles de la Vie littéraire sur Taine et Napoléon, dans lequel il contesta presque de tête, n'ayant pas de livre à sa disposition, l'utilisation de ces sources par l'historien déterministe, afin de démontrer que, contrairement à Renan, Taine avait cherché à faire de l'histoire en philosophe, c'est-à-dire à construire un système. France y développe l'idée classique chez lui comme chez Nietzsche, que la construction des systèmes conduit toujours à combler les lacunes par des chevilles, ce que dans une métaphore architecturale récurrente, l'écrivain appelle ici des moellons et ailleurs le mortier.
on comprend qu'en fait, la discontinuité est perçue comme un gage de probité et même de vérité, et que donc la critique impressionniste francienne ne peut concevoir d'autre histoire des idées approximative que celle qu'elle croit pratiquer elle-même sous sa forme digressive, saccadée, et seulement par surcroît et par métaphore totalisante. Une histoire linéaire des idées reviendrait sans doute pour France à réintroduire le système dans l'histoire, ce qui, pour son épistémologie, constituerait une contradiction, dans la mesure où c'est dans l'histoire et l'historicité même qu'il a puisé d'abord et avant tout le relativisme qui fait le socle de sa pensée antisystématique. Sa critique de Taine portait déjà contre un système historicisé des faits, qui étaient d'ailleurs des faits psychiques, aussi bien que physiologiques et naturels. Mais une histoire des idées au sens restreint du terme incarnerait certainement pour France un danger redoublé dont sa détestation de l'éclectisme spiritualiste de Victor Cousin, correspondant français de Hegel, le suggère. France se refuserait à une histoire des idées qu'il jugerait suspecte de séparer les domaines de l'histoire, moins par un effet de méthode que par l'influence d'un idéalisme invétéré. On rencontre ici la même objection implicite que celle qui est formulée à l'encontre de l'histoire littéraire à la manière de Faguet. Dans la représentation ambitieuse qu'elle a d'elle-même, la critique impressionniste se croit, on l'a vu, capable de saisir par à-coup la vie dans ses multiples aspects, ce qui exclut une méthode reposant sur la découpe longitudinale d'un seul domaine. En ce sens, pour France, l'histoire des idées ne serait peut-être même pas véritablement une histoire, l'histoire ayant précisément pour visée de rendre compte de l'ensemble des domaines simultanément mobilisés par un phénomène donné, à un moment donné. C'est pourquoi l'horizon de la vie, dans sa totalité dynamique, amène France à répéter sans cesse que l'histoire n'est pas une science, mais un art, seule activité capable de recréer la vie dans son unité. Il écrit dans Les torts de l'histoire, « La vieille histoire est un art ». C'est pourquoi elle a dans sa beauté une vérité spirituelle et idéale bien supérieure à toutes les vérités matérielles et tangibles des sciences d'observation pure. Elle peint l'homme et les passions de l'homme. C'est ce que la statistique ne fera jamais. L'histoire narrative est inexacte par essence, je l'ai dit et ne m'en dédie pas, mais elle est encore avec la poésie la plus fidèle image que l'homme ait tracée de lui-même. Elle est un portrait. Votre histoire statistique ne sera jamais qu'une autopsie. On comprend que la critique impressionniste propose sur elle-même un discours construit, sinon cohérent, qui l'amène à disqualifier a priori toutes les tentatives de créer dans un contexte académique et scientifique des approches séparées, analytiques des phénomènes, en particulier une histoire des idées, dont sous la forme toute déclarative d'une histoire de l'esprit humain, elle se croit la dépositaire autorisée et la praticienne adaptée parce que littéraire. C'est plutôt en ce sens qu'il faut parler d'une critique littéraire. C'est en ce sens que cette critique, dotée au plus haut point du sens historien et du goût des idées, se refuse à bâtir une histoire des idées dont elle est incessamment et indistinctement l'esquisse et l'esquive. Fidèle à cette conception, France paraphrase souvent par anticipation l'expression « histoire des idées » au gré de ses critiques. Paul Bourget, auteur de la préface d'un dictionnaire des personnages de Balzac, est selon lui un habile et élégant historien des affaires de l'esprit. Jules Sandeau a embrassé, sous des aspects peu variés, l'histoire sentimentale de l'Ancien Régime. Gaston Boissier a étudié le mouvement des esprits dans la période agitée qui va de Constantin à la chute de l'Empire. Quant à Jules Lemaître, son Sérénus pourra bien un jour marquer dans l'histoire de la pensée du XIXe siècle, comme Candide ou Zadig marque aujourd'hui dans celle du XVIIIe. Cette critique se prend pour une histoire des idées, et bien plus que cela, une histoire de l'esprit humain, une histoire intellectuelle de l'homme, parce qu'en réalité, elle s'assimile à une histoire tout court. France est ici l'héritier de Jean-Jacques Weiss, qui voyait dans la littérature le seul vrai document de l'histoire. Le concentré tout fait qui supplée aux milliers de paperasses contradictoires en condensant la teneur, et donc la littérature. Dans l'opération qui consiste à se présenter comme le genre cristallisateur de toutes les disciplines en formation, la critique littéraire ne se veut pas un simple ingrédient de l'histoire, mais l'histoire elle-même, dans la mesure où la qualité de la littérature garantit sa représentativité historique. France écrit « Ainsi que M. Taine, J.J. Weiss, conçut la critique littéraire comme une des formes de l'histoire. Il comprit que le grand intérêt d'une œuvre d'art, poème, roman ou comédie est de nous faire comprendre, sentir, goûter délicieusement la vie, avec le goût particulier qu'elle avait au temps où cette œuvre fut conçue et dans la société dont elle est l'expression la plus subtile, et qu'enfin il n'est pas de monument plus précieux des mœurs d'autrefois, pas de témoignage plus sûr des vieux états d'âme que tel conte ou telle chanson allait bien entendre. » Ici encore, France défend la discontinuité
et la subsume en une histoire valable. C'est ce qui suit. Dans cette voie où M. Taine s'avança avec une lente et sûre méthode, Gigi Weiss ne fit jamais que de folles et toujours heureuses échappées. Il avait l'esprit vagabond et se plaisait à courir à l'aventure. À l'aventure, il découvrit maintes fois les transformations du peuple français dans les divers types littéraires que ce peuple a créés. Le terme d'aventure est, on le sait, fondamental dans la conception de France, présente dans sa définition la plus célèbre, le bon critique est celui qui raconte les aventures de son âme au milieu des chefs-d'œuvre. On comprend qu'une possible histoire des idées est ici prise au piège entre les deux pans de cette histoire des auteurs, comprise comme une forme quintessentielle de l'histoire. Or, à cette procession des écrivains, dont la subjectivité géniale cristallise le moment, répond en amont la série des critiques, eux-mêmes marqués par leur époque et par leur subjectivité. De fait, le vrai principe épistémologique qui anime cette critique dite impressionniste est la certitude de l'universelle subjectivité. Inspiré peut-être du néo-kantisme de Friedrich Albert Lange, si important pour Nietzsche et dont France a rendu compte dans l'une de ses chroniques restées inédites. Sans doute, le règlement de compte avec l'objectivité de Brunetière, mais aussi avec l'impersonnalité et l'impassibilité de l'ère parnassienne, a-t-elle joué dans cette position principielle, comme le montre l'article sur les idées de Flaubert. Il avait aussi la fureur, Flaubert. Il avait aussi la fureur de l'art impersonnel. Il disait « l'artiste doit s'arranger de façon à faire croire à la postérité qu'il n'a pas vécu ». Cette manie lui inspira des théories fâcheuses. Mais il n'y eut pas grand mal, en fait. On a beau s'en défendre, on ne donne des nouvelles que de soi. Et chacune de nos œuvres ne dit que nous, parce qu'elle ne sait que nous. Flaubert crie en vain qu'il est absent de son œuvre. Il s'y est jeté tout en larmes, comme Décius dans le gouffre. C'est bien dans ce contexte subjectiviste, martelé par la critique francienne, que la meilleure histoire possible est faite par des sujets critiques, qui lisent des sujets écrivains, et que les systèmes doivent céder la place à l'éparpillement opportuniste du feuilleton et essentiel de l'aphorisme. De manière significative, ce qui reste des édifices systématiques, chez France comme chez Nietzsche, dans Vérité et mensonge au sens extramoral, ce sont justement les individus et les traces cryptées de leur biographie. Construire une histoire des idées linéaires, ce serait en réalité créer une continuité et non seulement une causalité factice dans une histoire que la multiplicité des subjectivités rend fondamentalement discontinue. Nous pourrions donner un exemple de ce nouvel obstacle épistémologique à une histoire des idées que, comme un monsieur Jourdain inversé, Anatole France ne fait peut-être pas tout en croyant la faire. Dans une scénette narrative et dialoguée à la manière de Lucien, du jardin d'Épicure, le narrateur se retrouve aux enfers. Il y rencontre les plus grands penseurs de l'histoire du monde, de Platon à Maïmonide, en passant par Descartes et bien sûr Épicure, qui tous lui disent leur réponse à la question initiale de Pyrrhon. Qu'est-ce que l'âme ? Or, ce qui pourrait être une mise en réplique didactique ou critique de l'histoire d'une notion, à la manière peut-être de Lovejoy, vire bien vite au capharnaüm sceptique, délesté de toute historicité. Outre le désordre chronologique, Claude Bernard répond à Pyrrhon, Aristote à Descartes et à Malebranche, France ajoute à la variété des figures historiques la diversité des cultures. On rencontre l'opinion d'un Esquimau, d'un Polynésien, d'une Floridienne. L'histoire d'une idée espérée cède le pas à un jeu de massacre sceptique où le relativisme culturel seconde le relativisme historique. La disparité risible des conceptions abolit toute possibilité de construire leur continuité dans un temps circonscrit, voire sur la longue durée. L'histoire des idées est réduite à une revue comique des opinions qui doit beaucoup à l'usage voltairien du dialogue. Le Galimatia dramatique de Voltaire, par exemple, mettait pareillement en évidence l'absurdité des positions théologiques dont le particularisme grotesque fait tache sur l'arrière-fond implicite du théisme universel qu'elle défigure. Ainsi, la leçon de l'histoire est d'une certaine manière anhistorique. La relativité des opinions dans le temps semble interdire de rechercher leur cohérence et leur enchaînement. Par un paradoxe propre à l'épistémologie francienne, l'histoire des idées n'est pas possible en vertu de l'historicité des idées elles-mêmes qui renforce l'étanchéité créée par le principe de leur subjectivité. C'est donc un monde lacunaire, fragmentaire, rempli de vides auquel nous convie France. Mais ces vides ont vocation à être sans cesse comblés par des appropriations subjectives sur le mode émotif de la réminiscence et de l'épiphanie. Dans ce contexte, il reste aussi à l'histoire des idées, la possibilité
d'être pratiquée à la manière dont France se représente le travail de Sainte-Beuve, dans un modeste pas à pas, s'exerçant tour à tour sur des objets précis et limités. On pourrait en donner un exemple dans la vie littéraire, la manière très précise dont France, qui a fait date, détache Chénier de son image faussée de précurseur du romantisme. C'est toute la pensée, l'art, et non seulement la littérature du XVIIIe siècle, qui lui viennent au secours de cette démonstration, morceau indistinct d'histoire des idées, d'histoire littéraire et d'histoire de l'art. C'est que la critique ainsi conçue, comme une histoire de l'esprit humain, esquisse et esquive l'histoire des idées, ne peut jamais donner qu'à la fois beaucoup plus et beaucoup moins que chaque discipline séparée. Si elle esquisse les croisements disciplinaires qui apparaîtront nécessairement dans un troisième temps, elle ne le fait jamais que depuis un état pré-scientifique où elle ne peut jamais se révéler qu'indistinctement instructive et inaboutie. L'intersection anté, voire antidisciplinaire des domaines que pratique le critique individuel anticipe les croisements des disciplines de façon trop sommaire pour avoir droit de citer méthodologique dans une histoire des idées. Surtout, le choix caractérisé d'ancrer l'histoire et la critique comme histoire intellectuelle dans l'art littéraire, en plus de l'accrocher à la position de surplomb d'un journalisme relativement érudit, appartient à un équilibre révolu. En somme, l'ancrage de la critique dans la littérature, en même temps que le choix d'écrire une littérature d'idées, Gaëtan Picon parlait des romans d'idées d'Anatole France pour les opposer aux romans à thèse de Bourget, et non seulement une fiction, lui fait d'une certaine façon perdre sur les deux tableaux. France est trop littéraire en critique et trop critique en littérature pour rester un objet attirant pour l'histoire littéraire et pour l'histoire des idées. Le refus du système rabattu sur le sujet peut être mis en rapport avec ce subjectivisme, lequel peut être compris comme la forme philosophique de l'individualisme politique de la République radicale, l'un des signes de l'appartenance à une filiation des Lumières voltairiennes et girondines. C'est pourquoi France se confie volontiers à la récurrence du feuilleton, à la cadence de l'actualité, dont la discontinuité rythmique remplace avantageusement ce qu'il appelle le château de cartes des causes et des effets, et qui, d'un même mouvement, efface de l'histoire, chez le premier France, l'horizon du progrès. C'est pourquoi aussi, à une histoire des idées en forme, France préfère une mémoire historicisée et intellectualisée des œuvres, accessible non par le biais d'une concaténation causale, mais d'une promenade aléatoire, figure de cette liberté individuelle, conçue aussi comme distance maintenue et disponibilité constante à l'appropriation volontaire. Dans la lignée de la liberté des modernes de Benjamin Constant. Le langage symbolique et littéraire de France substitue donc à l'histoire des idées une promenade des mémoires, amnésie volontaire et anamnèse ambulatoire, qui se veut toutefois in fine, on l'a vu, l'équivalent d'une histoire totale au prisme de la liberté individuelle. C'est peut-être ainsi qu'il faut comprendre que la critique d'Anatole France, comme ses prises de position publiques, semble si préoccupée par la figure du monument, qui fixe sans organiser, stimule sans contraindre, unit la présence et l'occasion, la durée et la liberté. On pourrait dire que la promenade des mémoires est une histoire des idées dans le désordre, dont, pour parodier le mot de Voltaire, dans la préface du dictionnaire philosophique, le lecteur fait la moitié. Elle égrène les jalons d'un libre consentement fondateur, national, pensé à la manière du fameux discours de Renan. De manière significative, France précise dans un discours prononcé lors du centenaire de son maître, Renan, que le culte des grands hommes remplace celui des puissances de chair qui était le propre de l'Ancien Régime. Le thème du monument s'insinue avec entêtement dès la première série de La vie littéraire en 1888. France rédige dans un article à propos de l'inauguration de la statue d'Armand Carrel à Rouen, tout un article sur Carrel. Il y a un autre article à propos de l'inauguration du monument de M. Thiers au Père-Lachaise. La métaphore du monument, incessante pour parler de livres, revient avec plus de force qu'un simple lieu commun. Ainsi, le célèbre éditeur d'André Chénier, M. Bec de Fouquières, est dit avoir achevé le monument de pierre que Marie-Joseph Chénier avait chanté au sujet de son frère, mais qui ne lui éleva point sous la forme de sa double édition critique. Donc l'édition de Bec de Fouquières est le monument que n'a pas construit le frère de Chénier. Il a achevé son œuvre et élevé son monument, proclame Anatole France.
L'autre article intitulé « Anthologie », qu'il consacre à André Chénier, publié lui dans la deuxième série, se clôt sur un semblable vœu. C'est une grande victime, André Chénier, à qui nous devons un monument expiatoire. Dans son premier article sur Flaubert, toujours dans la deuxième série de la vie littéraire, France pense encore à un éventuel monument à l'écrivain. La vérité est qu'il n'eut qu'une passion, la littérature. On pourra mettre sous sa statue, si l'on parvient à l'élever, ce vers qu'Auguste Barbier adressait à Michel-Ange, « L'art fut ton seul amour et prit ta vie entière ». France, André Guyot le sait bien, prend notoirement parti dans la fameuse querelle de la statue de Baudelaire. Il cherche dans l'univers illustré la maison de Boileau pour y mettre une plaque avec la Société des Amis d'Auteuil. C'est dans ce contexte patrimonial d'une topographie mémorielle sur le mode de la flânerie qu'il faut saisir la violence inouïe de l'ironie de son fameux article sur la terre de Zola. Personne, avant Zola selon France, n'avait élevé un si haut tas d'immondices. C'est là son monument. Si cette tournure mémorielle et monumentale impliqua toujours une politique de la littérature, l'engagement républicain et socialiste de France n'a fait que le multiplier. Le recueil de ses textes d'intellectuels engagés, 30 ans de vie sociale, est rempli de discours ou de la notation de simple parrainage à des entreprises de cet ordre. France encourage en janvier 1908 un monument à la mémoire de Clémence Royer, la traductrice de Darwin. Il parraine le 15 février 1905 le projet d'une statue de Pierre Bayle à Pamiers, dans l'Ariège, qui doit surplomber l'évêché. Quelques mois plus tard, le 30 juillet 1905, il s'agit de l'inauguration du monument du disciple d'Auguste Comte, Pierre Lafitte, en Gironde, à Béguet. De plus en plus, le militantisme l'emporte sur le patrimonial. Le 10 janvier 1908, France accorde son soutien écrit à une fête pour Constantin Meunier, une fête qui ressemble un peu à celle qu'il raille dans Les dieux ont soif, et qui doit culminer en un monument au travail posthume du sculpteur belge à Bruxelles. Il est membre du comité qui, 2 ans après sa mort, entreprend d'ériger à Louise Michel, dont il avait pourtant raillé la piètre poésie dans la vie littéraire, une statue d'Émile Déré sur la place des Abbesses, qui échoua finalement dans le jardin de la mairie de Levallois. Un Lamennais sorti de l'église entraîne le peuple à l'idéal, dû au même sculpteur, verra le jour sans lui, mais recueille son accord en février 1909. Il avait, le 12 juin 1892, consacré une chronique à l'étude politique et religieuse de Jens Puller, ministre de l'Instruction publique et des cultes de Rouvier et de Casimir Perier, sur l'auteur des paroles d'un croyant. Vrai morceau d'histoire des idées, sympathisant avec le prophète du socialisme chrétien. Quoi le lien entre le monument et la critique littéraire ? Toujours sinueux, parce que fait d'occasion et non de construction, le monumentalisme francien évolue sensiblement du patriotisme réconciliateur au militantisme socialiste. Ainsi, l'on trouve à côté encore d'un projet de monument à Villiers-de-l'Isle-Adam, en avril 1909, à Jules Renard, en février 1912, à Camoens, tout un effort pour abouter l'actualité militante à la piété patrimoniale. C'est le cas de la plaque commémorative à Paul-Louis Courier, à l'occasion du 100e anniversaire de son établissement à la Chavonnière, loin de Tours, donc de la Béchellerie où habitait Anatole France. Anatole France y fait un discours vibrant. C'est le cas du monument Jaurès à Carmaux, le 4 juin 1923, où son discours est lu en son absence. C'est plus encore le cas du monument pour Francisco Ferrer, décidé quelques semaines à peine après son exécution par la monarchie espagnole, après une parodie de procès, en novembre 1909, et érigé à Bruxelles. Dans les lignes brisées, brouillées et capricieuses qui relient tous ces monuments, c'est évidemment sinon une histoire des idées en bonne et due forme, du moins une filiation idéologique libre qui se dessine. Le principe de la nécrologie, Taine, Renan, Goncourt, etc., innerve également sa pratique de critique et d'intellectuel engagé. C'est à chaque fois littéralement un opportunisme qui pose, au gré des occasions, les jalons d'une histoire toujours ancrée dans la mémoire parce qu'elle veut tenir les deux bouts de l'individuel et du collectif, indispensable à la République radicale. La probité subjectiviste, si désabusée qu'elle se présente, marche de conserve avec la liberté républicaine. Or, cette appropriation par les subjectivités est au cœur de la conception francienne de la critique et donc de sa pratique fragmentaire de l'histoire des idées. En ce sens, sa critique dite impressionniste, mais en réalité subjective, esquisse et esquive la grande mutation de l'histoire des idées qu'a été la théorie de la réception. France ne cesse d'insister sur les transformations que les œuvres et les idées subissent dans leurs différentes appropriations au cours de l'histoire. La préface de la vie de Jeanne d'Arc en formule le programme. Il y aurait grand intérêt à suivre la mémoire de la pucelle à travers les âges, mais ce serait tout un livre. Esquisse, esquive.
J'indiquerai seulement les révolutions les plus étonnantes du sentiment public à son sujet. France fait alors ici, en quelques pages, une réception de l'histoire de Jeanne d'Arc jusqu'à sa propre vie de Jeanne d'Arc, aboutissant à deux conclusions intéressantes, le rôle de pivot de Bonaparte dans la constitution de ce mythe national et sa réinvention par la Troisième République. Les figures de la poésie et de l'histoire ne vivent dans la pensée des peuples qu'à la condition de se transformer sans cesse. La foule humaine ne saurait s'intéresser à un personnage des vieux âges si elle ne lui prêtait pas ses propres sentiments et ses propres passions. Après avoir été associée à la monarchie de droit divin, la mémoire de Jeanne d'Arc fut rattachée à l'unité nationale que cette monarchie avait préparée. Elle devint dans la France impériale et républicaine le symbole de la patrie. L'histoire des appropriations d'un mythe national n'est qu'une des formes de la réception. France s'est déjà posé plusieurs fois la même question au sujet du devenir des œuvres littéraires dans l'histoire infinie des subjectivités. La préface de la quatrième série de La vie littéraire le formule, toujours sur le mode conditionnel de l'esquisse. Ce serait un ouvrage bien intéressant que l'histoire des variations de la critique sur une des œuvres dont l'humanité s'est le plus occupée, Hamlet, la Divine Comédie ou l'Iliade. L'Iliade nous charme aujourd'hui par un caractère barbare et primitif que nous y découvrons de bonne foi. Au XVIIe siècle, on louait Homère d'avoir observé les règles de l'épopée. « Soyez assurés, disait Boileau, que si Homère a employé le mot « chien », c'est que ce mot est noble en grec. » Ces idées nous semblent ridicules. Les nôtres paraîtront peut-être aussi ridicules dans 200 ans, car enfin, on ne peut mettre au rang des vérités éternelles qu'Homère est barbare et que la barbarie est admirable. Dans son livre, dans son article sur Faguet précédemment cité, France écrivait semblablement « Lire un livre, c'est le refaire. Nous avons en nous, tous tant que nous sommes, un exemplaire de chacun de nos poètes que personne ne connaît et qui périra à jamais avec toutes ses variantes lorsque nous ne sentirons plus rien. » La dispersion épistémologique est totale. Une histoire des idées ou des sensibilités ne peut jamais qu'être une esquisse subjective. Et le subjectif se fait donc prisonnier volontaire d'une esthétique du suggestif et de l'ambiguïté, ironiquement avide d'appropriation sur le mode du malentendu, ce qui fonde pour le coup l'appellation impressionniste. Non sans paradoxe, la défense et illustration de la clarté de la langue voisine donc chez France avec une esthétique de la suggestion, comme une intersection secrète avec le symbolisme contemporain qu'il affecte de dédaigner. C'est donc dans la littérature, critique et fictionnelle, que France a décidé de placer son histoire de l'esprit humain. À la fois plus large et plus légère qu'une histoire des idées, c'est depuis la littérature qu'il entretient un dialogue agonistique avec la discipline historique, pratique mille formes littéraires qui signalent ses limites, les limites de l'histoire officielle, et anticipe ainsi, sous une forme embryonnaire, ses mutations futures. Au fond, ce qu'avec un sens évident de la provocation, France appelle ses contes historiques, de la même manière qu'il finit par appeler sa critique des contes de lettres, esquisse une histoire des mentalités, reposant notamment sur un usage de la biographie entre l'hagiographie détournée et des ébauches de prosopographie. Les exemples sont innombrables, depuis Laeta Aquilia, portrait type d'une patricienne romaine tentée par le christianisme, ou comme l'Atrébate, vie minuscule d'un Gaulois de l'Artois, jusqu'au célèbre procurateur de Judée, conte de Noël blasphématoire. Ponce Pilate ne se rappelle pas du tout de ce Jésus de Nazareth dont lui parle le sénateur Lamia, parce que son cadre d'intellection historique lui-même, impliquant une mémoire subjective et sélective, le millénarisme impérial de Rome, s'est avéré incapable de faire la moindre place au messianisme chrétien. L'histoire elle-même se dissout dans la subjectivité, elle est aussi le lieu de l'entrechoc aveugle de subjectivités historiques étrangères et étanche, dont la littérature déploie les apories relativement le Zeitgeist au nom de la Kulturgeschichte. Ce subjectivisme acharné pourrait bien être la clé des deux qualificatifs accolés à l'œuvre d'Anatole France, impressionniste et sceptique, en même temps que celle de sa propre réception et de son engagement. De fait, c'est dans le sujet que, dans un geste finalement peut-être cartésien sans le savoir, France trouve le seul point d'appui qui lui permet de sortir du flou artistique de la critique impressionniste comme de son aboli sceptique. La formule s'en trouve, me semble-t-il, dans le premier aphorisme du Jardin d'Épicure. Cette longue méditation astronomique, fausse pensée de Pascal, qui embarrasse d'abord par sa banalité, se retourne dans sa chute en un éloge imprévu de l'esprit humain. Ce qui est admirable, ce n'est pas que le champ des étoiles soit si vaste
c'est que l'homme l'ait mesuré, écrit France. Alors ça, c'est sur l'exemplier aussi. Ah, il faut remettre le code. Alors, il y a un très long aphorisme sur l'évolution de nos représentations du ciel, hein, aussi dans la tradition des articles de Voltaire dans le dictionnaire philosophique sur le ciel des anciens, et qui se termine, donc c'est très long, c'est un petit peu, c'est une sorte de faux aphorisme, de fausse pensée de Pascal, qui se termine donc sur cette phrase qui arrive un petit peu de manière inattendue. Ce qui est admirable, ce n'est pas que le champ des étoiles soit si vaste, c'est que l'homme l'ait mesuré. Cette conclusion surprenante constitue justement un pari pascalien, ou plutôt anti-pascalien, sur l'activité de l'esprit, seule fidélité possible, ce que l'on pourrait en somme appeler le pari intellectuel d'Anatole France. C'est cette fois dans l'intellection, on se lasse de tout excepté de comprendre, disait France, citant Littré, et non une prétendue foi en la science, que France ne possède pas car l'histoire la relativise, qui caractérise cette pensée typique de la Troisième République. Et l'on pense évidemment à Paul Hasard, qui en parlant d'ailleurs de leur des métamorphoses des idées, grand thème évolutionniste francien aussi, définissait à la fin de sa préface comme le propre de l'Europe de ne se contenter jamais, de recommencer toujours sa recherche de la vérité, et il ajoutait, et du bonheur. Par là, France, figure un peu falote dans les histoires des intellectuels qui ont relayé l'histoire des idées, propose sa propre définition et incarnation de l'intellectuel, à la fois dans sa vie et dans ses œuvres, où pullule le type de l'intellectuel, l'abbé Coignard, Brotteaux des Ilettes et surtout M. Bergeret, contemporain de l'affaire Dreyfus. À mi-chemin entre la simple répétition de Voltaire et l'intellectuel spécifique à venir, il redéfinit l'intellectuel au moment de l'affaire Dreyfus par ce pari même sur l'intelligence. On remarque que ce faisant, il le fonde précisément sur ce qui lui est reproché par ses adversaires. Adepte d'une inhibition volontaire de l'intellection, auquel France a pu se montrer d'abord complaisant par peur de la fixation en dogme des idéaux des Lumières, mais dont il découvre qu'il est moins une forme exigeante d'esprit d'examen, retourné contre lui-même, qu'une forme topique de misologie conservatrice. L'esprit d'examen devient alors pour France la seule activité cohérente et honorable qui peut finalement résister à l'épreuve sceptique elle-même. Ce qui intéresse alors France, c'est moins de faire une histoire des idées que de tracer une continuité de l'esprit qui le ramène du côté d'une éthique intellectuelle de l'engagement. La conséquence de ce pari est une fatalité pour France. La clôture de l'œuvre sur son auto-interprétation en acte. L'engagement est d'ailleurs pour France une figure de la réception, l'une des métamorphoses et métaphores des idées. C'est l'un de ses arguments contre Brunetière au moment de la querelle du disciple. Une philosophie, quelle qu'elle soit, si morne, si désolée qu'elle paraisse d'abord, si sombre que semble sa face, change de figure et de caractère dès qu'elle entre dans le domaine de l'action. Aussitôt qu'elle s'empare de l'empire des âmes, aussitôt qu'elle est reine, enfin, elle édicte des lois morales en rapport avec les besoins et les aspirations de ses sujets. Amusante polyphonie. Sa souveraineté est à ce prix, car il est vrai qu'avant tout, il faut vivre, et la morale n'est que le moyen de vivre. Suivez par le monde l'histoire des idées et des mœurs. Sous quel idéal l'homme n'a-t-il pas vécu? Partout et toujours, il est moral. Du moins, il l'est en quelque façon et de quelque manière, car sans morale aucune, il lui est impossible de subsister. Nous voyons donc comment, dans la critique impressionniste, mais aussi dans son œuvre d'écrivain historien, France a pensé à la fois ébaucher, éviter et dépasser une éventuelle histoire des idées, en une histoire intellectuelle de l'homme ou une histoire de l'esprit humain, élaborée par à-coup sous la forme d'une mosaïque littéraire dont les lecteurs eux-mêmes doivent remplir les vides heuristiques, éthiques et politiques, avant du moins que par son engagement, l'auteur lui-même ne prenne le risque de clore le sens de son œuvre. France, écrivain critique et critique écrivain, quitte d'un même mouvement les radars de l'histoire littéraire et de l'histoire des idées, car la constitution des disciplines s'est faite en regard avec la recomposition des valeurs littéraires. Les romans d'idées vieillissent, en même temps que les critiques enlevées et les causeries inspirées. France a sans doute voulu sauver la littérature face au péril scientifique en la montrant capable de faire une meilleure histoire de l'esprit humain que l'université ne pourrait jamais la faire, ce qui explique sans doute à la fois son succès unique en son temps et sa brutale disparition. Deux questions pour finir. Est-ce que la défaite de la critique impressionniste n'est pas précisément ce qui la rend vulnérable à cette forme d'histoire des idées surdéterminée qu'est l'idéologie? On voit comment
Jules Lemaître est devenu anti-Dreyfusard et Franz Dreyfusard, comment ces critiques impressionnistes se sont mobilisées dans des causes. La critique impressionniste n'aurait pas tenu sa promesse, elle n'aurait été qu'un moment sceptique de désarticulation de l'histoire, entraîné l'instant d'après dans la remobilisation des idées au service des causes. En d'autres termes, quelle est la relation entre histoire des idées et idéologie? Et deuxième question, la critique impressionniste contient-elle encore des esquisses d'évolution à venir pour l'histoire des idées? Je vous remercie beaucoup de votre attention.